Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très très bien. Regardez, c'est moi! Coucou! On se retrouve pour l'épisode 2. Attendez que je vérifie parce que j'ai un stress, j'ai un gros stress. Mais je pense que c'est l'épisode 4 de MTB. Et je vais un peu vous montrer ce que j'ai fait en off. Parce que oui, j'ai avancé sur quelques petits trucs en off, c'est pas bien. Mais bon, ça fait partie du jeu. Ouais, épisode 4 de MTB. Regardez, ici. Il y a un ME Crafting Terminal. Ben, j'en avais ras-le-bol d'avoir tous mes coffres. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un Black Hole Chest. Ce Black Hole Chest est relié à l'énergie adaptateur dans lequel j'ai mis ça. Alors j'ai également mis plein de câbles de Ender IO. Apparemment il ferait moins laguer. J'ai également mis une énergie cell. On a également ceci. Un device online. Et si vous regardez bien, on a pour finir, stock. Non, tu veux pas? Ah, d'accord, oui. La glowstone, ça va pas mieux marcher. On a pour finir, bizarre ça. Attendez. Ah, ouais, d'accord, donc c'est des pauvres. Ok, là je comprends beaucoup mieux maintenant. On a pour finir les un imporbus que j'ai placé ici, tout simplement. Alors hop, on va mettre la gold ici. On va regarder, on va prendre la copper, la tin, hop, stock. Alors c'est pas encore, c'est toujours pas un élite. J'ai pas encore eu le courage de crafter un élite. Mais ce sera pour bientôt. Alors, aujourd'hui, on va également aller chercher des Ender des pipes Ender IO. Ender. Pour transporter des items. Donc, fluide, non, non, non. Item conduite. Comment est-ce qu'on fait ça? Celui-là, on le fait avec deux Ender Pearl et l'iron. L'iron est ici. L'Ender Pearl est donc là. On vient ici. Je toc toc. Alors j'en ai fait un deuxième pour aller plus vite dans certaines circonstances. Donc on va aller plus vite. Tout simplement. Parce que là, ça va nous prendre trois plombes. Et en attendant, on va quand même aller déjà poser les différents items que j'ai créés. Le premier, et non moins, non des moindres, est le Fisher. Le Fisher. C'est cet item qui se pose sur l'eau, logiquement. J'ai jamais utilisé, hein, donc on va voir comment ça marche. Mais si ma logique est bonne, le fisher devrait se poser par exemple là. Ça a l'air pas si mal que ça. On va prendre un chest. Je suis habitué à avoir des. À avoir plein de. Wireless sur moi dans FTP et donc je le cherche automatiquement, mais non, je ne le trouve pas. Hop, pops. On va également essayer d'aller chercher l'électricité par là. Logiquement, il y en a. Vous voyez, c'est pas si dur que ça de trouver de l'électricité dans ce monde. Alors, stock. Pop, pop. Alors cet épisode sortira logiquement ce mercredi. Je vais essayer d'encore vous tourner un FTP avant la fin de la semaine encore. Comme toujours. À mon avis, j'aurai pas de FTP durant mes vacances parce que c'est assez compliqué de prévoir ce qui pourrait se passer sur le serveur. Et donc, ben. Pour éviter les risques de spoil et autres, ben, c'est plus simple de ne pas en tourner. Donc voyons un peu ce qui se passe. On va laisser bosser. Tranquillos. Et puis on va voir ce qui se passe. On va aller voir nos allos smelters. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils ont ça et qu'ils ont ça. Très bien. Donc maintenant, si je reprends mon câble, il a bon énergie conduite. C'est pas ça que je cherche. C'est les items conduite. Donc si je prends ça et que je fais ça, c'est bon.
Donc maintenant que je prends un item conduite, je regarde 2 secondes ce qui se passe. Hop. Ça a l'air bon, hein. J'espère que c'est les bons parce que sinon j'aurais l'air con. Je vais reprendre des énergies conduites. Oh merde, oh le. S'il te plaît, sois sympa. Sois sympa. Redstone Iron. Hop. Allez, finis-toi. C'est parfait. Et on va aller faire ce qu'il faut là-haut. Vous le savez, je compte avoir des champs plus ou moins grands en fonction de chacun, mais surtout des champs intéressants. Hop. C'est bon. Donc, ce qu'on va faire tout simplement, c'est placer un harvester ici. Première étape d'une grande étape. On va tuer toi. Ah, on aura un petit backup. Ce qui ne peut pas faire de mal. Vous le concéderez. Hop. On va également dormir un petit coup parce que la nuit c'est dangereux. Voilà. Je tac. Ça c'est pratique, c'est qu'on n'est pas obligé de tous dormir pour que ça marche. On va repasser 2 secondes ici pour voir ce que ça donne. Et oui, en fait, ça me récupère du poisson. Et ça c'est cool. Donc c'est un pêcheur automatique qu'on va se faire le plaisir de déplacer autre part dès que possible. Parce que c'est moche. Mais que en gros, on va laisser bosser pour le moment. Alors, donc j'ai crafté le harvester. Vous connaissez le harvester logiquement de toute façon. Vous connaissez également le sludge, le précision sludgehammer qui permet de créer des zones. Alors, on va agrandir de 3. Donc, on va faire un upgrade de 3. Logiquement, ça devrait passer. Et ce devrait être bon. On descend donc ici. On va retirer tout ça. Mettre. Upgrade, et bien sûr j'ai oublié de faire le chrono, je viens de m'en rendre compte. Upgrade de 3, stock, je l'ai. Et nous allons voir ça. C'est reparti. Je sais pas du tout à quelle heure j'ai commencé à tourner. C'est pas grave. On va improviser. Ça me semble parfait. Ce me semble parfait. Donc ça veut dire que ça c'est la ligne du milieu. Très bien, et si on regarde comme ça, la ligne du milieu, 1, 2, 1, 2, 1, 1, elle est ici, donc mon planteur doit se mettre là. Voilà, ça c'est également parfait. Alors, on va relier le planteur. Et l'harvester, comme il se doit. Alors, pour des soucis de facilité, je vais vous faire directement une petite plateforme ici. Alors, elle ne restera pas, hein, rassurez-vous, mais ce sera plus simple à mettre et à gérer. Oui, si tu veux bien. Alors, il va juste falloir que je rajoute un chest. Et il va également falloir ramener l'énergie qu'il y a ici de l'autre côté. Pop, 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 pop. Allez, mon petit gars, si tu veux bien te mettre. Touk, 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 touk. Attendez un instant. Voilà. Hop. On met ça là. Stock. On va créer des énergies conduites. Touk. C'est ceci qu'il faut faire.
Avec ça. Hop. Et je vais faire une courte ellipse, le temps de gérer un petit truc. À tout de suite. Nous, revoilà. Ça va me permettre de relancer le chrono. En fait, on est à 10 minutes de vidéo, c'est parfait. Je peux donc continuer en paix. Il faut également que je mange un bout. Parce que sinon, ça va pas le faire. Alors, le gros avantage de ces pipes, c'est que vous pouvez mettre deux pipes l'un à côté de l'autre. Et ça, quand même, je suis désolé. Tous les modes devraient pouvoir le proposer. Mais il n'y a pas mieux. Hein. Il n'y a réellement pas mieux. Alors, je ne peux pas faire passer le câble trop au milieu de tout, sinon ça va être moche. Mais là, ça le passe. Là, ça le fait. Voilà. Hop, on récupère ce petit truc-là. Donc, on a ici de l'énergie, c'est parfait. On a ici un planteur. C'est parfait. On a ici extract item. Wow, comment ça marche maintenant? Oh, ho ho. Ah, extract. C'est parfait. Ça a l'air bien. Bon, donc ça me semble pas mal. Ici. Ah oui, non. Il va d'abord falloir que je mette un chest. Donc on descend. Et on va mettre un chest. Lui, il marche, il travaille bien. C'est parfait. Hop. Tac. Nous y voilà. C'est parfait. Et là, on va insérer. Et on va insérer des seeds. Ok. Bon, ça me semble fonctionnel. Maintenant, il est temps de tester tout ça. On va aller chercher ce qu'il faut pour faire fonctionner le tout. Et voir ce que ça marche. Donc, il nous faut des seeds. Et il nous faut également. Excusez-moi. De quoi? 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 Je sais plus. De la dirt, voilà. C'est parfait. On va quand même prendre un peu de bone si on en a. C'est parfait. J'en ai un tout petit peu. Je pourrais tester pour voir si ça marche. Bien! Ça me semble plus compliqué que ce qu'on avait l'air en fait. Je m'étais dit que je n'allais pas faire les crafts avec vous. Je pense que j'ai bien fait. Parce que c'est pour gagner. Hein. C'est toujours pour gagner. Tac. Bon, au moins ça se plante vite. Et bien. Alors oui, bien sûr. Lui, il n'a pas le droit d'avoir un. C'est pas grave. Alors, est-ce que tu vas me le récolter? Ah mais non, en fait, c'est l'inverse, c'est pas extract par là. C'est un import qu'il faut. Insert, voilà. Alors, la bonne nouvelle, c'est que lui... Est-ce que tu pourrais juste insérer ceci. Non, ça ne marche pas. Bouh, moustique. L'extract, on est d'accord. Mais il faut que ici, il puisse dire, je veux que tu insères et que tu insères beaucoup de trucs. Alors, ça a l'air. Il me semble que c'est bizarre, donc ce que je vais faire. Ressource pack, on va retirer le ressource pack, je suis désolé, ça va prendre un tout petit peu de temps, mais ça me semble être une bonne idée.
Retirer 2 secondes le source pack pour voir comment ça marche. Un instant, on va prendre le temps qu'il faut pour faire les choses. Et malheureusement, parfois ça prend du temps. Bon, bien. Alors, ah, regardez. Et comment je fais pour lui dire d'insérer ça? Enfin, je sais pas, je lui fais un prout. Ah, il faut un copion. Ah, attends, ça a l'air d'être plus compliqué encore qu'on ne le pensait. Je regarde. Je regarde à nouveau. Mange. Je vais faire de l'eau. C'est vraiment moche comme ça, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est très très moche. Hop. Bon, non. Si. Enderio. Donc, ah, regardez. On dirait qu'il faut un truc comme ça. Basic item filter. Essayons de voir si je peux en crafter un. Bien, on y est presque. C'est parfait. Donc là, on y est. Et quoi, je fais un clic droit dessus? Non, ça se passe comment? On va aller voir si on peut le mettre dedans, hein. J'aurais peut-être dû regarder comment ça marchait avant. Ça aurait peut-être été une bonne idée. Ça aurait peut-être été une très bonne idée, même en fait. Mais bon. On peut pas tout avoir. Pas du tout, même. Un instant. Et la visite. Non? Ah, oui, il faut que tu ailles par là, ça c'est pas. Il faut pas être complètement fut pour s'en rendre compte. Ah, donc, et si je mets ça, il se passe quoi? Ah! Oh! Ah ben voilà! À part que j'ai mon truc qui déconne complètement. Bon, toi tu peux le faire comme ça. Et puis, tu fais ça, j'appuie sur whitelist. Ça a l'air de marcher ça. Ça a l'air de marcher. Et donc, ouais, ça aurait été bien de. Et quoi, tu peux aussi me dire que tu veux extraire que certains trucs. Ah! Regardez. On va y arriver, hein. On finira par y arriver. Je vais en profiter pour aussi prendre un upgrade de 3. Donc, on va reprendre un deuxième filter. Un upgrade de 3. Et tant qu'on y est, un deuxième chest. Ça peut toujours servir. Ce qui est parfait, c'est que j'ai 10 chests en stock. Que donc, ça va aller tout seul. Que donc, également, ça ne va pas tout seul. Donc, il faut qu'on fasse du papier. Hop, ça va tout seul. Ça, c'est bon. Et un upgrade de 3. Upgrade de 3. 3, c'est celui-là. Allez, bug pas toi, voilà. Donc, maintenant, on sait qu'on doit Wow, ils sont fâchés. Il y a un petit coup de lag là. Ici, mettre un insert, mais que du blé. Tu vas mettre que le blé là-bas. Là-bas, tu m'extractes tout. Ici, mon planteur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression de m'en sortir. Ça fait assez peur. Mon planteur ici, on va lui mettre ça. Et également lui coller ceci. Donc logiquement maintenant. Il est gentil, il plante partout. Plante. Et donc si je fais. Ceci. Voyons ce que ça donne. J'ai plus de seed. Bon, déjà, au moins, ça me mettra un petit schéma sur ce qui se passe. Ok, alors.
Il y a des trucs là-dedans. Ça, c'est noté qu'il faut que tu les extrais, hein. Copain, je t'explique. Ah oui, tu les extrais sans signal de redstone, ça marche mieux effectivement. Et elle devrait arriver ici à un moment ou l'autre. On sait pas trop en fait là. C'est la surprise du chef. Coco? Ah ouais. Voilà, il me les a déjà replantés et je les ai pas vus en fait. C'est peut-être ça le problème. Ça doit être ça. Il me les a déjà replantés. Donc ça marche. C'est laborieux, voire très laborieux. Il y a un système de priorité que j'ai pas encore tout à fait compris. Mais ça a l'air de fonctionner. J'ai plus qu'à mettre la même chose de l'autre côté et j'aurai un terrain complet géré par ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? On verra bien ce que ça donne. De toute façon, je vais la laisser tourner. Et je vous tiendrai au courant. Voilà, on se retrouve. Enfin non, on s'arrête là pour cet épisode. Logiquement, tout s'est bien passé. J'ai pas trop fail. Donc ça va. Ah. Et on va faire la fin de l'épisode sur Vicky, que j'ai enfin retrouvé. Vous n'avez pas suivi, mais il y a eu des problèmes. On m'avait volé Vicky, enfin bon, tout le bordel. J'ai dû m'énerver, tout ça. Voilà. Allez, salut, salut. Bye bye.